Près de 460 détenus de la maison d'arrêt de Pointe-Noire ont célébré avec faste le premier jour de l'an 2023. Et ce, grâce au concours exceptionnel de la Fondation Anatole Colinet-Macousse, qui leur a apporté des vivres frais, à l'effet de permettre à ces hors-la-loi d'être en communion avec la fête de fin d'année. Un geste de bonté qui prouve à suffisance que la Fondation Anatole Colinet-Macousse œuvre à satisfaire toutes les catégories sociales sans distinction aucune. La Bible déclare en hébreu, en hébreu 13, verset 3, souvenez-vous des orphelins quand vous étiez humains. Et c'est par ce geste que nous avons commencé à accompagner, encourager nos frères. Avec la bénédiction de notre président d'honneur, son excellence, profite d'ailleurs pour souhaiter élever les meilleurs au président de la Fondation Anatole Colinet-Macousse et à tous les membres de la Fondation. Cette action menée à l'endroit du milieu carcéral Pont-Négrin est considérée comme un nouveau signe pour ces détenus qui entendent embrasser la nouvelle année avec beaucoup de courage et d'optimisme, malgré leur actuel statut social. Et chapeau bas pour la Fondation Anatole Colinet-Macousse, car ce geste sauve et donne par ricochet un sourire à la maison d'arrêt de Pointe-Noire.